Évidemment, au départ, la première personne que j'ai pu voir, c'était Mathilde, qui était mon amoureuse enfance. C'est parce que je l'avais revue quelques années plus tôt. C'était une histoire un peu longue, parce que moi, c'était une sorte de figure incroyable de petit, entre 5 et 10 ans, avec qui était à 10 ans. Donc, tous les garçons étaient fascinés par elle. Donc, il y avait un garçon dans la classe, une fois qu'elle était partie, un an après qu'elle avait dit peut-être, on pourrait lui envoyer une lettre, puis on lui demanderait, quand elle était avec nous, de qui elle était amoureuse par les choses. Du coup, on était tous hyper partants pour ce projet de lettre. La lettre, ça avait lieu. Rodolphe était revenu deux semaines après. Ça y est, elle a répondu. Ah bon, ah bon, la lettre quoi? Là, elle a dit, c'était moi, Rodolphe était mieux. C'est vrai, je l'avais raconté dans un spectacle. Donc, du coup, comme je l'avais raconté dans un spectacle, c'est revenu aux oreilles de Mathilde, dont je venais le nom dans le spectacle. Et j'avais revu à ce moment-là. Et là, c'était l'époque où j'avais joué au Vinci. Et c'était la tournée 2006-2007, donc c'était il y a longtemps. Et en la voyant, elle m'avait expliqué sa vie, qu'elle était attirée que par les filles, et que voilà, c'était une histoire qui était jolie, parce que la personne qui fantasme comme ça très longtemps, en fait, qu'elle n'a jamais été vraiment amoureuse d'un garçon, c'était une ironie qui était chouette. Et puis j'ai revu quand je suis passé à Nantes, parce qu'elle vient de Nantes. Et là, en commençant un peu sur le film, donc voilà, elle, c'était, je me disais, il faut qu'il y ait Mathilde. D'ailleurs, en la voyant, je lui disais, du coup, cette histoire de lettres, je sais pas, c'est bizarre. et il se trouve que j'ai reçu, il y a un mail de Rodolphe Périlleux, il y a un mois, qui m'a dit, ouais, il faut quand même que je te dise un truc. Et que ça n'a jamais existé, cette histoire de lettres. Alors, cette histoire a rebondi très longtemps. Bon, là, c'est ça le point de départ. Après, t'as des gens, t'as une catégorie de gens dont je sais que ça va être intéressant de faire parler. Par exemple, même la fille de mes amis de fac, sur la photo des deux qui s'embrassent, c'est le parent qui est derrière elle. C'est une photo qui est prise dans mon appart à Rouen. Quand j'étais étudiant, c'était vraiment mon meilleur pote direct quand il sortait avec ce mec. Et après, ils ont cet enfant que j'ai vu évidemment beaucoup grandir. Et qui est une super fille. C'est vraiment vraiment quelqu'un de très, très chouette, cette Madeleine. Et donc je savais qu'elle répondrait bien, et ça tue un peu avec notre deuxième question, parce que je savais aussi que même si elle n'avait pas répondu, parce que c'est particulier de parler de tes parents sur le côté derrière toi, dans la rue, rien que l'image, ça marcherait et je pourrais la garder. Parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, les gens n'ont rien demandé, et donc tu ne peux pas trop te permettre d'aller équiper des gens et d'appeler ou de faire un SMS pour dire en fait, je ne vous ai pas gardé dans le montage, c'est pas trop intéressant ce que j'ai. Quelquefois, où soit c'est très redondant avec autre chose qui avait déjà été fait, soit ça c'est moyen, et il y a un plan des gens dont on ne va pas parler, mais il y a quelques visages qu'on va passer sur son arbre. Mais par exemple, il y a un exemple d'un truc qui est resté, mais c'était Arnaud, le comédien, qui explique que lui, d'être comédien, ça lui permet aussi de tomber amoureux aussi ailleurs. C'est l'exemple typique d'un truc qui peut être retiré, non pas parce que c'est pas intéressant, mais parce que ça peut être mal lu. Si les gens disent, ah, disons, lui, quand il est en tournée, c'est où sa vie et voilà, tel qu'il a dit, c'est pas ça, mais j'ai eu un peu de mal à remettre le truc en situation pour que les gens se disent pas ce que je viens de dire. Et après, t'as aussi beaucoup de. T'as Carole, le collégien qui va embrasser une fille devant la Gaudrion, vu que c'est un copain de mon fils. Lui, bon, moi le matin, enfin, quand il y a les copains de mes enfants qui viennent à la maison, souvent, j'aime bien poser une question très malaisante, dans les mots de l'amour, enfin, tout ça. Donc, en général, ils sont à la vie de tout rouge, et puis. Lui, il a l'air organisé, par contre. Ah oui, il est parfait. Si mes fils, il désamorce, il va à l'équipage, c'est l'humour de mon père, tout ça. Lui, Carole, chaque fois, ouais, bah justement, c'est donc que tu me poses la question, parce qu'en ce moment. Et hop, Carole, direct. Puis, c'est bien, ce truc, même quand tu veux faire différent, ça ressemble forcément un peu, ça m'avait un peu frappé sur le premier film. Sur celui-là, c'est moins surprenant, parce que j'ai vraiment pilé davantage ça, mais sur le premier, j'étais surpris sur mon disque que ça ressemblait à tout ce que j'avais fait, parce que moi j'avais vraiment l'impression que c'était des gens qui avaient parlé, que c'était pas moi, et que c'était une idée qui était un peu. Enfin, que j'ai mis un peu de temps à comprendre et à me rendre compte aussi qu'effectivement, tu diriges un peu les choses à la prise, et aussi après, quand dans ce que tu retiens de. Il y a des gens, parce que je sais pas, tu passes quand même 2, 3, 4 heures avec les gens pour regarder 3, 4 minutes, donc forcément que tu drives un peu ça. Mais du coup, il y a deux questions. La première question, c'était
Là, c'était vraiment sur cette dimension autobiographique. Ah oui, moi, j'ai trop plus. Bah, en fait, je veux dire que c'est un équilibre. J'essaie toujours de faire un truc qui ressemble un peu à la vie. C'est pour ça que dans le film, il y a aussi des gens qui sont identifiés, quelques-uns. Et c'est un peu déjà mon premier, mais aussi beaucoup d'anonymes, parce que ma vie, elle est comme ça. Je connais quelques personnes que vous connaissez aussi, mais la plupart, c'est des gens, des amis qui ne sont pas très people, on va dire. Et voilà, et cet équilibre-là aussi, sur le rapport que tu mets avec toi ou pas de toi, pour moi, ça n'a pas de sens de faire un film que sur moi, sur mes sentiments, mes histoires d'amour et tout ça. Parce que c'est aussi quelque chose que tu questionnes quand tu fais des chansons, tu parles de quelque chose de personnel, mais t'espères beaucoup que les gens vont après venir te dire « Ah, mais moi, à Tours, j'ai vu la même chose que vous à Rouen », et tout ça, et qu'il y a quelque chose qui se crée de cette manière-là. Et après, c'est un équilibre aussi, parce que comme c'était une conversation, en fait, dans le détail du film, quand je voyais les gens, évidemment qu'après, on a tout coupé ce que je disais, sauf une petite question de temps en temps, mais je parlais presque autant qu'eux, notamment quand c'était des gens un peu jeunes, qui faisaient mettre en confiance. Et c'est vraiment ça, c'est cet équilibre-là qui ressemble aussi à la vie. Donc tu demandes des trucs perso aux gens, mais attends, vas-y, toi, dis aussi des trucs à toi. Et c'est comme, voilà, quand tu passes du temps dans un bar avec un pote, et après tu rentres chez toi, que moi, ou deux fois, pas poser une seule question. Il faut que ce soit équilibré un peu quand même, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut avancer et dire des choses. Sinon, si t'es derrière un miroir sans teint et que tu dis des trucs très perso, mais que c'est pas du tout ce que les gens en face ressentent ou vont dire en retour, ça a moins de, pour moi, ça a moins de sens. Mais non, pourquoi le film est venu, en fait, à la fin du premier, que peut-être certains d'entre vous avaient vu, donc j'avais un peu trouvé une manière de fonctionner qui était assez simple, parce que j'avais enfin, qui était un peu radical, parce qu'on avait commencé le premier film en étant une vraie équipe, entre guillemets, enfin, on n'était pas nombreux, mais une quinzaine de personnes à faire comment on doit faire un film, avec du maquillage, avec des assistants, avec tout ce qu'il faut. Et en fait, au fur et à mesure de ce début de tournage, on était un peu comme il faut, il y a un peu l'impression de jouer à un champ qui fait son film. Et voilà, ça fait très plaisir d'avoir un clap, de dire action, tout ça. Mais c'est ça, finalement, ce que j'obtenais ne ressemblait pas beaucoup à ce que j'espérais. En l'occurrence, c'était aussi beaucoup récolter déjà des choses, des gens, des moments, des choses touchantes. Et au fur et à mesure, en fait, on était de moins en moins nombreux sur le film, et même j'ai pu attendre vers la fin du film une séquence où j'étais tout seul avec quelqu'un dans son appartement, en mettant vraiment des micros un peu environnants, et en venant l'entretien seul et sans maquillage et tout ça. Et ça m'avait vraiment plu, parce que c'était une séquence où je me suis dit, en fait, finalement, j'aurais dû faire comme ça depuis le début. Donc là, je suis parti bien en tête sur ce film-là, de cette façon-là. En plus, comme le sujet était un peu... C'est toujours délicat de faire parler des gens, évidemment, surtout que c'est des gens qui n'ont rien demandé, parce qu'ils ne sont pas comédiens, donc spécialement vu en très grand comme ça sur un écran. Et en plus, on leur parle du sentiment amoureux, qui n'est quand même pas le truc le plus évident, et qu'on n'est pas forcément aussi habitué à trop formuler, parce que finalement, on sait très bien que ça compte dans notre vie, le sentiment amoureux, mais on formule rarement, ou alors vraiment avec des amis très proches, donc là, avec quelqu'un qui n'est pas forcément de Okay, donc là, je savais que voilà, ce kit, entre guillemets, qui est un peu une absence de kit et qui consistait à y aller tout seul, à ne pas mettre un petit contrat sur les gens pour pas qu'ils se disent là, c'est important tout ce que je veux dire et tout ça, ça allait être un peu comme ça que ça allait se faire. Et aussi, donc du coup, la conséquence de ça, positive, c'est que c'était vraiment un film qui pouvait se faire sur la durée, parce que je pouvais filmer n'importe quand, j'ai toujours mon boîtier avec moi, et une fois c'était pas prévu, je pouvais justement en tourner, mais en avec la sécurité là demain, je suis venu à poser des questions, et voilà, ça s'est fait de manière très, oui, comme des conversations très, très, très perso, sauf que ce n'est pas très perso, parce que c'est plus simple que si c'est maintenant, mais quand même j'avais ça en tête, à chaque fois que je repartais de la rencontre avec quelqu'un, des fois c'était des gens que je connaissais bien aussi, mais je me disais en partant, c'est super parce que si je me débrouille bien, les gens dans la salle vont avoir l'impression d'avoir passé un petit moment, comme en tête à tête avec la personne, un peu comme ce que j'avais vécu.